Pourquoi il ne faut pas prendre en compte le nombre de likes et de dislikes, même si ça fait toujours plaisir les likes? Parce que déjà, en fait, c'est vrai qu'effectivement, au temps du Führer, par exemple, pour ne citer que lui, il y avait certainement, il aurait eu 9 millions, milliards de likes et zéro dislike, alors qu'aujourd'hui, sûr et certain, il se prendrait 9 millions, 9 milliards de dislikes et zéro like, tu vois, en gros. Voilà. Ça veut rien dire, en fonction du moment, en fonction des circonstances, c'est pas la même.